Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Les joueurs rentrent sur la pelouse, l'arbitre également. Laurent Paganelli me semble en pleine forme. Merci, espérons que ce sera un super match à la hauteur de ce qu'on attend. Ça y est, c'est le match inaugural de cette phase de groupe, tant attendu. Après un long battage médiatique, à n'en pas douter, cette rencontre va donner le tempo des matchs suivants et peut-être même de toute la compétition. Car aucune de ces deux formations ne fait mystère de ses intentions de remporter la victoire jaune. Vous le constatez comme moi, en direct, les conditions sont idéales, bonne pelouse et public vraiment sympa. Ambiance de fête dans le stade, de part et d'autre, les supporters donnent de la voix. J'espère que les joueurs seront au tempo. Superbe ballon. Il ne trouve pas le moyen de percer cette défense. Il gêne son adversaire et récupère la balle. Ce contre peut être redoutable. Ça peut passer ici. Valenciano. Faute et coup franc logique. Qui va le tirer? Ça part à 200 à l'heure, c'est bien. C'est bien joué en profondeur sur le côté. Ballon dévissé, il doit encore s'appliquer. Et pour marquer un but dans un angle fermé comme ça, il faut être un magicien. Voilà un joli coup de tête. Ça peut être dangereux, tout près de la cage. Le portier récupère le ballon. Pour De Jong. C'est une occasion de marquer le premier but. Dégagement de la tête. Bien joué de la part de la défense. Balzaretti. Valenciano. Bonne action, le ballon est récupéré. De Jong, il est vraiment increvable. Belle passe. Bonne progression dans ce couloir. Blocage incroyable.
mis au moins le temps. Le ballon passe au-dessus. C'est impossible, Marco, de la lame d'être fermée. Occasion de centrer. C'est dégagé. C'est une remise en jeu. On n'a pas le droit de jouer comme ça à faute. Oh, que ça va partir vite. Ne pas oublier le placement, il est hors jeu là encore. Joe Bryan. Balzaretti. Oulala, il s'était piqué le ballon. Ils peuvent construire quelque chose. Il essaie de marquer. Ce n'est pas avec cette frappe qu'il va effrayer le gardien. On a senti que sur son appel, sur son appui, il n'était pas en équilibre. Je pense que c'est pour ça qu'il a foiré sa frappe. Nous avons atteint la 15e minute de la première mi-temps. Et De Jong. Joe Bryan. Quel culot, bien joué! Le danger est écarté. Et De Jong. Défense vigoureuse ici. Verani. Balzaretti. Encore une occasion de centrer. Balzaretti. Ils peuvent construire quelque chose. Ça peut être extrêmement dangereux. Que va-t-il faire? Et but! Fantastique! Il marque en début de match. Oh, que ça de normal pour les adversaires qui sont littéralement assénés. Même les supporters adverses sont obligés d'applaudir. Le talent de ce joueur, ça mérite le respect. Ce tir a littéralement fait disjoncter le stade dans un état incroyable. Ils ont pris de l'avance, 1-0. Bon pressing, le joueur récupère le ballon. Le jeu est trop dur, coup franc. Carton jaune, à mon avis c'est un peu sévère, mais l'arbitre a voulu montrer qui était le patron.
Va-t-il marquer? C'est beaucoup trop loin du poteau droit. Oh, là, c'est vraiment dommage, parce qu'à mon avis, il avait une superbe occasion pour égaliser. Il s'est trouvé en bonne position, mais je pense qu'il s'est un petit peu précipité. Encore une belle occasion. Il veut marquer. Incroyable, c'est le deuxième but. Deux réalisations en moins de 5 minutes. Joli doublé. J'en connais un au bord de la touche qui doit être satisfait. C'est vraiment une bonne avance. Ouais, c'est vrai qu'avec une avance de 2 buts, une équipe peut se relâcher. Donc un but juste encaissé par l'adversaire. Et là, tout le match est relancé. Un bon moyen, c'est sûr, c'est d'aller chercher un troisième but avant le repos. Le ballon est pour l'autre équipe. De Jong. Il choisit de jouer long. Le ballon sort en touche. Une solide défense ici. De Jong. Place maintenant une touche. Nouvelle occasion de centrer. Ils font preuve de patience. Le ballon circule bien. Les défenseurs sont baladés. Encore une belle occasion. Il tire. Encore une occasion de centrer. Le ballon arrive sur sa tête. Bon, il est en forme, les gardiens. De Jong. Il va peut-être marquer. L'attaque n'a rien donné car dévié en corner. La balle s'approche du but. À quelques centimètres près, c'était bon. Ils peuvent construire quelque chose. Va-t-il trouver la bonne trajectoire? Bon retournement de situation, il a le ballon. Ils ont littéralement confisqué le ballon. Franchement, c'est bien joué. Pour De Jong. Le ballon passe au-dessus, c'est bien trop. Ouais, il a raison le gardien, il faut qu'il bouge les défenseurs, il laisse trop jouer, il faut qu'il monte en pressing sur les attaquants. C'est super dangereux, il peut marquer. Et oui, il faut jouer le ballon, pas le joueur, coup franc. Bientôt une demi-heure de jeu dans la première mi-temps. Allez, ça doit aller au fond. Il décoche un tir. Le duel est remporté, c'est bien.
Attention le défenseur, il faut revenir. Nouvelle occasion de centrer. Le goal ne parvient pas à bien saisir le ballon. Le ballon est détourné. Corner. Il arrive devant le nez du gardien. Ballon boxé. Et c'est un nouveau corner et une nouvelle occasion. Le ballon est travaillé vers le but. Le défenseur était là. Et c'est dégagé. Encore 15 minutes avant le coup de sifflet de la mi-temps. C'est un défenseur qui est venu prendre le ballon. Bonne réaction de la défense. Il veut marquer. Et une nouvelle fois. But! Attends, non! Il est hors jeu, dit l'arbitre. Non, non, verdict de l'arbitre. Pas de but. Cet arbitre, il a souvent le copa dans l'œil. Et en plus, il a deux détentions. Il a mis qu'un quart d'heure pour signaler leur jeu. On est parti pour un drôle de compte. Oui, très bien défendu. Le portier l'a attrapé. Ceci donne lieu à une bataille aérienne. Bien joué, ça peut faire un contre. L'attaque ne donnera rien. Le goal a la situation en main. Balzaretti. Ils reprennent le ballon. Peut-être un nouveau but à leur actif. C'est une tentative de l'homme. C'est un début de match exceptionnel. Le troisième but. C'est étonnant, il avait tous les temps de capter ce ballon et il le relâche juste devant un attaquant qui a plus qu'à la mettre au fond. Ils sont vraiment agréables à voir jouer et dans la construction et dans la finition, l'avance est confortable. À 0 et franchement ça roule tout seul. Là ils sont rentrés dans le match comme il le fallait, avec détermination depuis le coup d'envoi. Ils ont franchi les arrières du camp adverse assez régulièrement. Si ça continue, ça pourrait se transformer. Sûrement celui-ci. Et c'est encore au fond. Ça tombe vraiment à la démonstration. C'est le quatrième but. Et il a été tellement vite de son pied droit que le gardien n'a rien vu passer. Et que moi j'ai même pas eu le temps de le commenter. C'est son hat-trick, 3 buts au cours du même match. Bravo, à mon avis, il peut garder le ballon. Ils sont déchaînés devant le but, 4-0. Bien défendu, le ballon est récupéré. Encore une belle occasion. La balle n'est pas passée. La domination est totale, c'est presque de la passe à 10 et on va peut-être voir encore un but. Il vise la cible. Oui, encore un, encore un. Ils sont dans une très bonne période en ce moment. Que c'est bien joué.
Là, le gardien vient un petit peu de se manquer sur le coup. Mais bon, on va surtout féliciter l'attaquant qui vient de marquer. Un hat-trick, c'était déjà merveilleux. Mais alors, 4 buts, c'est vraiment le terreau. Quelle belle leçon de foot, 5-0. Ah, ça, c'est un vrai festival de but. On peut dire que c'est le feu d'artifice. Ils ont écrasé complètement la défense adverse. Ils sont capables de marquer maintenant à chaque attaque. Et la faute est commise, il y a coup franc évidemment. Si près du but, il pourrait essayer de marquer. Trajectoire coupée par le défenseur. Attention, le ballon a été perdu. Le ballon sort du terrain. Il ne trouve pas le moyen de percer cette défense. Balzaretti. Bon travail et bonne possession du ballon. Encore une occasion de centrer. Pour la défense, il s'agit là d'une remise en jeu dangereuse. Coup franc, il n'y a rien à dire, c'est normal. Nous nous approchons des dernières minutes de la première mi-temps. Il joue l'intervalle. Le contre, c'est une arme redoutable. Encore une belle occasion. Quelle frappe! Ça va peut-être rentrer. Aïe, 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 c'est un véritable déluge de but. À mon avis, si le gardien attend tranquillement que le ballon arrive, il ne va pas le faire avec ce genre de joueur. Au moins, maintenant, il le sait. Quel virtuose! 5 buts. Le spectacle est exceptionnel. Tout ce qu'il touche se transforme en but. Balzaretti. Dans la surface de réparation. Le danger écarté par le gardien. Et il a marqué. Quel réalisme, quel sang-froid devant le but. C'est vraiment un très bon joueur. Là, le gardien vient un petit peu de se manquer sur le coup. Mais bon, on va surtout féliciter l'attaquant qui vient de marquer. La foule semble extrêmement mécontente. Elle ne cache pas sa déception. Et malgré la pression, c'est du beau football. Les avants font vraiment un travail extraordinaire. Le joueur frappe. Ballon repoussé des points. Corner. C'est un ballon fouetté vers le but. Il prend sa chance. Aucune difficulté pour le goal. Superbe passe en profondeur. Valenciano. Une seule minute d'arrêt de jeu. Il s'infiltre dans la surface adverse. Et c'est dégagé.
Liverani. Encore une occasion de centrer. Ouverture. Du pied, dégagement sûr. Ils peuvent construire quelque chose. Oui, le joueur dégage le ballon de la tête. Fin de cette première période, les joueurs vont aller se reposer et à mon avis, ça leur fera le plus grand bien. Et avec l'avance qu'ils ont à la mi-temps, je pense que dans les vestiaires, ils vont pouvoir faire quelques parties de PES. 5 buts d'écart entre les deux formations, le score est de 6-1. C'est reparti pour la deuxième mi-temps. Les entraîneurs ont sûrement remotivé leur troupe. Voyons le résultat sur la pelouse. Le déclic, ce serait un but, mais ça ne vient pas. Il faut vraiment du mordant chez les attaquants. Pour Liverani. Encore une occasion de centrer. C'est maintenant une remise en jeu. Ils sont partis sur l'aile. Passe profonde interceptée et dégagée par sécurité. Ce ballon est beaucoup trop mou pour espérer quoi que ce soit. Barrichiano. Bonne action, le ballon est récupéré. Le ballon est toujours pour eux. C'est un bon travail défensif. Balzaretti. Barrichiano. Ils n'ont toujours pas perdu le ballon. Ballon renvoyé en arrière. Ils peuvent construire quelque chose. La menace est écartée. Belle interception qui permet de reprendre le contrôle du jeu. Il peut peut-être marquer. Il va peut-être la prendre. Un but extraordinaire. Oh non! Le drapeau est levé. L'arbitre l'a jugé hors-jeu et le but est refusé. Oui, le juge de ligne avait bien levé son drapeau. Et c'est l'arbitre du centre qui s'est réveillé un petit peu tard. Mais c'était quand même la bonne décision. Quelle panique dans cette défense! Attention, c'est dangereux! Eh bien, le défenseur a le ballon maintenant. Barrichiano. Vilaine faute et coup franc, bien sûr. La sanction est logique. Carton jaune selon l'arbitre, mais franchement, il n'y a rien à dire.
Ça, c'est vraiment du bon boulot. C'est presque gagné. Il décoche un tir. Ça va peut-être rentrer. Bien tenté, mais c'est handicap. Et ce joueur-là, c'est qu'il est là sur 2 cm, avec des gains plus vite que son ombre. Il tire dans tous les coins. Et il tente de marquer. Cet arrêt réflexe est exceptionnel. Il passe dans le trou, derrière la défense. Va-t-il frapper ? Barrichiano. Il reprend le ballon maintenant. Frappe directe. Ah là, il n'a pas de chance. C'est si près du but. Tu frappes le poteau, des fois ça rentre. Là, c'est pas rentré. Bien joué, l'attaque ne donnera rien. Chance. Il a trop d'effet dans ce ballon. C'est étonnant, il avait encore le temps d'avancer, il n'a pas avancé, il a préféré frapper de loin. Eh, c'est pas mal joué quand même. Ils repartent de l'avant, c'est la seule solution pour espérer que cette rencontre ne soit pas encore terminée. Et Liberani. C'est le défenseur qui a le dernier mot. Il gêne son adversaire et récupère la balle. Superbe défense ici. De Jong. 15 minutes dans la seconde période. Nouvelle occasion de centrer. Juste au-dessus de la barre. Et là, la défense, elle était quand même un petit peu endormie sur le coup. Ils ont laissé décocher son tir, ils ont laissé un petit peu faire. C'est dommage qu'il n'ait pas mieux cadré quand même. La défense est disloquée. Il tire. Reprise de volée. Oh là 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 là. Quelle démonstration. C'est encore au fond du filet. C'est bien. Ça, c'est une reprise de volée. Je peux vous dire qu'il les enchaîne tous les jours à l'entraînement. Il en fait 200 par séance. Regardez, le gardien, il n'a même pas pu bouger les yeux. Le joueur est tombé, mais le jeu se poursuit. Pressing super efficace. Et De Jong. Cette passe en profondeur peut donner quelque chose. Le portier récupère le ballon. Barrichiano. Le ballon en profondeur. Encore une occasion de centrer. Il manque vraiment de coordination.
Attention, ils peuvent marquer sur ce ballon perdu. Super claquette du gardien. Le ballon est repoussé des points par le gardien. Corner. En plein cœur de la surface. En plein sur la transversale. Bien joué ici. De Jong. C'est beaucoup trop maladroit. C'est vraiment trop limite, coup franc. Il n'a même pas joué le ballon. L'arbitre sort un carton jaune. Il pouvait même peut-être sortir un rouge. L'entraîneur apporte quelques améliorations. Ça ne fonctionne pas. De Jong. Dans l'intervalle. Ce score les a complètement libérés et maintenant ils font tourner le ballon. Glisse le ballon en profondeur. Ouverture aérienne. Va-t-il frapper ? Attention à la remise en jeu. Le tir est décoché. Le goal a la situation en main. Ils peuvent être centrés après ce débordement. Encore une belle occasion. Ça peut faire mal sur cette rentrée en touche. Attention, il peut marquer. Ils obtiennent une nouvelle touche. C'est un nouveau corner. Il arrive devant le nez du gardien. Il est dégagé. La défense a récupéré le ballon. Valenciano. Liberani. Bien joué. Nouvelle occasion de centrer. Là, il y aura corner. Il envoie au milieu de la surface. Superbe tête. Sans danger pour le goal. Bon pressing, le joueur récupère le ballon. Balzaretti. Nous nous approchons du dernier quart d'heure. Ça part à 200 à l'heure, c'est bien. Encore une belle occasion. Il a osé. Une occasion de gâcher, c'est plutôt maladroit. Et pour marquer un but dans un angle fermé comme ça, il faut être un magicien. Nous avons atteint les 15 dernières minutes de la rencontre.
ça, c'est vraiment du bon football. Le ballon circule bien, au sol ou dans le domaine aérien. En face, ils sont perdus. Maintenant qu'ils ont le ballon, ils arrivent un peu à le conserver. Ça peut suffire. Une défense intraitable, superbe. Le goal la bloque. Ils peuvent construire quelque chose. La cause semble désespérée, plus personne n'y croit. La remontée sera vraiment difficile. Il gêne son adversaire et récupère la balle. L'adversaire est un petit peu perdu, la position de balle en milieu de terrain est vraiment impressionnante. Nous allons voir si les calculs de l'entraîneur sont justes. Encore une belle occasion. La passe a été interceptée. C'est dégagé. Il peut peut-être centrer car il joue sur le côté. Il est hors jeu. Bien vu de la part de l'arbitre. L'entraîneur veut sûrement appliquer une nouvelle tactique. Bonne réaction de la défense. Nouvelle occasion de centrer. Il peut encore avancer. La défense est solide. Encore une belle occasion. Trajectoire coupée par le défenseur. C'est malin. Il n'est pas avec cette frappe qui va effrayer le gardien. On a vraiment senti ce qu'il voulait faire. Il avait la force, mais il n'avait quand même pas la précision. L'entraîneur cherche à remanier l'équipe. Un gros dégagement qui enlève tout danger. Ils peuvent construire quelque chose. Tout petit fait normal, il est hors jeu. Il n'y a rien à dire, c'est une faute intentionnelle. Non, le ballon a été intercepté. Nouvelle occasion de centrer. Bonne interception, on peut relancer. Une minute de temps additionnel. C'est terminé, c'est l'heure de regagner les vestiaires. C'est exactement le genre de départ qu'il faut savoir prendre. Ça les met en...